Hey, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Guild Wars 2 que je fais suite à mon concours que j'ai fait sur Twitter. J'ai cru comprendre que malheureusement, beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant de ce concours parce que vous ne me suivez pas sur Twitter et que vous n'avez pas vu les notifications sur YouTube. Il est vrai que pour la team YouTube, quand j'ai des nouvelles à annoncer, je le mets dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et j'avais annoncé ce concours par message et j'avais aussi annoncé dans l'emploi du temps. Mais comme on le sait tous, YouTube et les notifications, ça fait 1000 voire 1 million. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de créer un compte Twitter, c'est gratuit, c'est simple à faire. Comme ça au moins vous serez sûr de pas manquer mes autres concours, parce qu'il est vrai que sur mon stream Twitch, il y en avait plusieurs qui étaient un petit peu dégoûtés de l'avoir manqué, donc je suis vraiment désolée. Mais ne vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres. Je vous le dis à chaque fois quand il y a des événements dans l'onglet de ma communauté de ma chaîne YouTube, donc si vraiment vous n'avez pas envie de créer un compte Twitter, n'hésitez pas à regarder assez souvent là-bas, afin de pas manquer les messages, vu que bon, YouTube et les notifications, ça fait 1 million. Aussi, si jamais vous voulez aider à ce que les notifications de ma chaîne YouTube soient envoyées plus souvent, n'hésitez pas à mettre des likes à mes messages dans l'onglet communauté, pourquoi pas aussi des commentaires, ça aide pour que les notifications soient envoyées. Et pareil pour les vidéos, voilà, comme ça, si jamais vous voulez aider un petit peu au niveau des notifications, vous savez comment faire, mais c'est quand même plus simple de me suivre sur Twitter, je pense. Le but de ce giveaway était de célébrer les nouvelles options de customisation des personnages dans Guild Wars 2 avec les kits de transformation complète. Pour l'occasion, en partenariat avec ArenaNet, je donne 12 kits de transformation complète. Je rappelle que je ne favorise pas les anciens joueurs et que je ne défavorise pas les nouveaux joueurs. L'important c'est de participer, de jouer le jeu. Et avec mon équipe, si on voyait qu'il y avait un minimum d'efforts, notamment sur l'originalité, vous étiez sûr de gagner. Donc même pour les nouveaux concours, pour les nouveaux giveaways, si jamais vous êtes un nouveau joueur, vous pouvez participer. Ne soyez pas découragé, tout ça parce que vous n'avez pas des infusions, vous n'avez pas les légendaires, vous n'avez pas les meilleurs trucs. Non, venez, vous êtes les bienvenus. Je vais vous montrer les photos de ceux qui ont gagné, donc si vous voyez votre photo, c'est que vous êtes sûr que vous allez recevoir un kit de transformation complète. Si jamais vous n'avez pas remporté le concours ou si vous n'avez pas pu participer mais que vous voulez quand même un kit de transformation complète, vous pouvez les acheter à la compagnie du lion noir pour 350 gemmes. Et si jamais vous voulez voir que contiennent les kits de transformation complète, dans toutes les capitales mais aussi à l'Arche du Lion, il y a des esthètes du lion noir avec deux outils gris en symbole croisés sur la carte. Si vous mettez votre souris dessus, vous allez les trouver et on vous dit prévisualise l'apparence d'un nouveau personnage. Sans plus tarder, je vous mets les photos de tous les participants qui ont gagné le giveaway. Merci encore beaucoup pour votre participation. Et ensuite, je vais vous montrer un défilé que nous avons fait à l'Arche du Lion pour vous montrer des skins de nos personnages que l'on aimait bien. Toutes les personnes qui ont participé au défilé n'ont pas forcément gagné au giveaway, mais je vous remercie quand même d'avoir joué le jeu pour le défilé. Je me suis bien amusée et j'espère que vous aussi. Sans plus tarder, je lance maintenant.
Et voilà, comme vous pouvez le voir, Guild Wars 2 est vraiment génial au niveau des customisations. Ce n'est pas pour rien que le surnom, le second nom que les joueurs s'amusent à donner à Guild Wars 2, c'est Fashion Wars. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment donner différents styles à notre personnage. Et là encore, tout est loin d'être montré parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour changer l'apparence de notre personnage. On peut changer leur taille, on peut changer leur forme de nez, de bouche, de sourcils, d'yeux, d'oreilles, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le type de coiffure. On peut acheter des tenues qui sont soit toutes faites, et même si on achète des tenues, on peut changer les couleurs des tenues. Mais en plus de ça, on peut aussi avoir des armures et pas forcément porter le set d'armure complet. On peut changer les armures entre elles, c'est-à-dire que par exemple, je peux avoir le chapeau d'une armure, mais le haut d'une autre armure et le pantalon de encore une autre armure, les chaussures de je ne sais telle armure, les gants d'une autre armure, enfin bref, on peut vraiment s'amuser à tout changer. Bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas encore, par exemple, si on est un personnage d'armure lourde, porter des armures moyennes ou des armures légères, mais je croise les doigts pour que ça change un jour parce que bon, c'est vrai que pour les filles en armure lourde, personnellement, je trouve que c'est pas top ce qu'on a comme option, mais on a quand même énormément de choix. On a aussi des miniatures qui peuvent nous accompagner, nous suivre un petit peu partout. On a des sacs à dos, on peut avoir des accessoires comme des paires de lunettes, des écharpes, des capes et j'en passe. On peut changer l'apparence de nos gliders, c'est-à-dire ce qui nous aide quand on glisse dans les airs pour ne pas tomber et s'écraser comme un pancake sur le sol. On peut changer l'apparence de nos montures, ce sont des animaux sur lesquels on monte pour faire différentes choses dans le jeu. On peut aussi avoir des infusions, c'est-à-dire avoir des effets que l'on met sur nos personnages pour avoir par exemple des lumières, des auras. Il y a même l'infusion abeille pour avoir des abeilles autour de nous. Enfin bref, il y a tellement de choses. On pourrait faire une vidéo de 24 heures, je pense, voire plus sur les apparences dans Guild Wars 2 tellement c'est développé. Les développeurs se sont donné énormément de mal, donc merci à eux. Merci pour votre travail. Je vais arrêter de blablater, sinon ça va durer des heures la vidéo. Mais merci aussi à toutes les personnes qui ont joué le jeu, que ce soit pour le giveaway ou le défilé. Si jamais vous avez envie de participer au prochain défilé, parce que vraiment on s'est bien amusé, je pense que j'ai pas été la seule à m'amuser. Donc si jamais vous avez envie de participer pour le prochain défilé, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. J'espère que cet événement vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous voulez me soutenir, soutenir mon contenu, ce que je fais. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Amusez-vous bien dans Guild Wars 2 et je vous dis à bientôt.